सर पे साया है हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें प्यार की थपकियों से सुलाओ हमें आसान नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों C'est l'heure. Il va falloir nous préparer. À présent, nous allons pouvoir commencer. Choubi, va chercher la photo, s'il te plaît. Nous y voici, Sonny. L'heure est venue de te dire adieu. Le Brahman a dit qu'une fois ce rituel accompli, ton âme sera libérée de ses liens avec le monde terrestre et tu trouveras la paix. Mais où que tu sois, tu resteras toujours dans mon cœur. Et tant que je vivrai, tu vivras en moi. Je t'aime. À jamais. Soigny! Soigny, où es-tu? Chez moi, je ne me suis jamais sentie aussi mal à l'aise. Et cette photo... Choub, place la guirlande sur la photo.
Et ensuite, tu devras appliquer un peu de vermillon, comme tu l'as fait pour le mariage. Mon fils, installe-toi. Choub, maintenant prends les fleurs. Prions. Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Garudadhaja Mangalam Pundli Kakshaya Mangalaya Tano Hari Lambodar Pascham Cha Shastam Vikrameva Cha Saptam Vigne Rajen Dharmam Tathasam. Tu peux les mettre. Thank you.
Mais d'où est sortie cette tornade ? Ce n'en était pas une. Le rituel a été perturbé. Ça a été provoqué par la nature. C'est un signe. Une indication. On a dû commettre une erreur. Une erreur monumentale de surcroît. De quoi est-ce que vous parlez ? Mais quelle erreur ? On veut juste accomplir l'ultime rituel de ma fille. Pour que son âme repose en paix. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Je ne le sais pas plus que toi. Quelque chose a échoué, c'est tout. Est-ce que par hasard tu as l'horoscope de ta fille sur toi ? Non, mais... Donne-moi le lieu, la date et l'heure de naissance de ta fille ainsi que son nakshatra. Ma fille est née le 13 octobre 1986 à 5h05 du matin, à Agra. Et son nakshatra est Rohini. Le rituel ne peut pas avoir lieu. Pour quelle raison ? Que s'est-il passé ? Je ne sais pas ce qu'il s'est produit. Je ne comprends pas. Je ne me suis jamais trompé dans mes calculs. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a ? Seigneur, dis-moi ce qu'il y a. Brahman, est-ce que vous pourriez être plus explicite ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais selon son thème astral, celui que je viens de préparer, Swanee... Qu'avez-vous découvert ? Et qu'en est-il de son horoscope ? D'après le thème astral de ta fille, elle ne peut pas être décédée. Décédée. Swanee est vivante. Comment ça, ce n'est pas possible ? Enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Je n'ai pas d'explication non plus. Pourtant, c'est bien ce qu'indique son thème astral. Swanee ne peut pas être décédée. Elle est même destinée à une longue vie. Comment pourrait-on accomplir le dernier rituel d'une personne qui n'est pas encore décédée ? Brahman, excusez-moi. À notre époque, l'homme marche sur la Lune depuis longtemps. Et ce bout de papier vous permet de déterminer le destin d'une personne ? Comment osez-vous vous moquer de nous en prétendant que Swanee est vivante ? Je le pense aussi. Swanee n'est pas morte. Swanee est vivante. Elle vit toujours. Dans nos cœurs. Dans nos souvenirs. Elle ne mourra jamais. Si seulement ça pouvait être vrai. Si vous pouviez avoir raison. Si seulement aussi... Dieu nous avait protégés. S'il n'avait pas voulu me punir, alors je le crois, oui, ma femme serait toujours en vie. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Hélas, Swanee n'est plus de ce monde. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Swanee n'est pas vivante. Swanee est morte. Alors je vous en conjure,
Terminons-en avec le rituel. Je ne sais pas pourquoi, Sonny, mais je n'arrive pas à admettre que tu sois morte. Je suis toujours persuadé que tu es là quelque part, près de moi. Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Garudadhaja Mangalam Pundli Kakshaya Mangalaya Tarohari Om Mangal Mangalya Shive Sarvar Sadhike Om Gangal Garpate Namah. Arjun, ne t'approche pas! Reste où tu es, je te préviens! Tu peux me faire confiance! Je ne veux pas te faire de mal! Tu es mon passeport vers la liberté! Swanny! Swanny! Ah Swanny, aie confiance. Approche. Non. Que se passe-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non. Ne t'approche pas. Reste où tu es. Ne t'approche pas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te prend? Moi, tout ce que je veux, c'est le fric de Shub. Accompagne-moi qu'on en finisse au plus vite. Tu peux me faire confiance. Je te ferai pas de mal. Je n'ai pas confiance. Laisse-moi tranquille. Que s'est-il passé? Non! Ne t'approche pas! Reste où tu es! Qu'est-ce qui te prend? Non! Ne t'approche pas! Je n'ai pas confiance! Mais écoute au moins! Va-t'en! Pour l'amour du ciel, laisse-moi! Ne t'approche pas, laisse-moi! Va-t'en, je te dis! Va-t'en! Ne fais pas un pas de plus! Ne t'approche pas! Laisse-moi tranquille! Non! Mais... Non! Qu'est-ce que tu as? Non! Viens à mon aide! Swanny! Approche! Approche, belle sœur! Reste où tu es, ne t'approche pas, je te préviens! Ne me touche pas, Arjun!
Choubi ! Épargne la vie de Choubi ! Je t'en supplie, ne le tue pas, je t'en supplie ! Je t'implore de le laisser en vie ! Où est-ce que tu m'emmènes ? Lâche-moi ! Lâche-moi ! Arjuna a donné l'ordre à Madhukar de m'enlever et de me séquestrer ! J'étais droguée du matin au soir. J'ai pas arrêté de le supplier de me laisser partir, mais il refusait toujours. Il ne voulait pas m'écouter. C'est vrai! Je suis une mauvaise personne! Je suis un mauvais fils! Un jour, ma belle-mère a essayé de me sauver. Mais Arjuna l'a tué! Il a tué sa propre mère! Elle est morte sous mes yeux et je n'ai rien pu faire! Elle est morte et je n'ai rien pu faire! Et ensuite, je sais pas trop comment, mais j'ai réussi à m'enfuir. Mais Arjuna m'a rattrapée. J'étais coincée à sa merci. Soigné. Approche. Viens, belle-sœur. Arjuna, pourquoi tu fais toutes ces horreurs? Moi, ce que je veux, c'est le fric de Choub. On est ta famille. Oui, et c'est pour ça que tu dois m'obéir. Reste où tu es, ne t'approche pas, je te préviens. Ne me touche pas. Tu peux me faire confiance. Je ne veux pas te faire de mal. Tu es mon passeport vers la liberté. Arjuna, laisse-moi tranquille. Ne fais pas un pas de plus. Soigny ! Choubi ! Choubi, je t'en supplie, viens à mon aide ! Choubi ! Choubi ! Je suis en feu ! Mon corps est en feu ! Non ! Non ! Je tombe dans le ravin ! Thank you.
Comment peut-elle tout savoir dans le moindre détail? Comment sait-elle qu'Arjun a tué Sony? Comment sait-elle pour cette nuit fatidique? Sony. Je sais que c'est difficile à croire. Et que ce qui s'est passé semble invraisemblable. Mais c'est comme un miracle. Elle y était. Elle a des souvenirs précis. J'en suis convaincu. C'est bien Soane. C'est Soane. Papa. Depuis que Soane est morte, je voudrais qu'elle retrouve sa place dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. Mais après cet incident, après ce que j'ai vu, je perds les pédales. Je sais plus où j'en suis. Mon cœur me dit que Soane est bien là. Je sais que c'est insensé. Oui, je sais, mon grand. Tout le monde ici comprend dans quel état d'esprit tu es. Et nous aussi, on déplore que Soane soit décédée. Moi non plus, je ne sais pas ce que je dois croire. Même moi, je suis confus et je me pose des... D'après nos textes sacrés, il n'y a pas deux airs, ni trois, il y en a quatre. Quand les choses commencent à se détraquer, ça signifie qu'on entre dans une période noire. Shobi, tu es dans une très mauvaise période. Des événements imprévus et inconcevables peuvent se produire. La pauvre fille était dans le dénuement le plus total. Elle n'avait ni famille, ni toi. Elle n'avait même plus d'identité. Mais tu as volé à son aide. Tu l'as invitée chez toi. Tu l'as même baptisée Soane. Que peut-elle rêver de mieux? Aujourd'hui, elle essaie de profiter de la situation et tout ce qu'elle a trouvé de mieux, c'est de nous faire tourner en bourrique. Tu crois réellement que cette fille est ta femme Soane? Après ce qui s'est passé, tu jurerais que c'est ta femme Soane? Mais dis-moi, comment réagirais-tu si tu ne croyais pas à ces élucubrations? Tu vois? Docteur Sharma, comment va-t-elle? Vous l'avez rassurée? Son état de santé m'inquiète. Je le trouve même préoccupant. Je ne m'explique pas comment vous avez pu être aussi négligent. Je vous avais pourtant bien dit qu'elle avait besoin de se reposer et de lui éviter toute tension psychologique. Vous l'avez laissée s'asseoir auprès du feu, alors que vous saviez que c'était à proscrire. Je lui ai administré un sédatif. Elle dort maintenant. Il m'est impossible de vous dire comment elle sera au réveil, si l'incident aura des conséquences traumatisantes. Docteur Sharma, y a-t-il quelque chose à craindre pour sa vie, selon vous? Satya, tant qu'elle n'est pas réveillée, je ne peux pas évaluer son état. Aujourd'hui, elle a vécu un énorme traumatisme. Il aurait pu se produire n'importe quoi. Elle aurait pu faire, par exemple, une hémorragie cérébrale. Le Seigneur lui est venu en aide. Elle a eu beaucoup de chance. Oui, et maintenant? Eh bien, il y a deux possibilités, deux cas de figure envisageables. Il y a l'éventualité qu'une fois bien réveillée, elle ne se souvienne de rien du tout. Elle pourrait avoir oublié jusqu'à cet incident. Mais ça pourrait l'aider. Ça pourrait être l'élément déclencheur pour retrouver la mémoire.
C'est une possibilité. Et dans ce cas, elle pourrait parfaitement ne pas supporter de choc émotionnel. Dans l'éventualité qu'elle se souvienne de tout, ça risque d'être difficile pour elle. Surtout que son apparence, son visage a été beaucoup modifié. Ce nouveau visage ne ressemble pas à celui qu'elle connaît. Comme son identité, qu'elle doit accepter. Qu'est-ce que vous suggérez, docteur Sharma? Vous ne croyez pas qu'on devrait la faire admettre à l'hôpital? Je voulais contacter dès demain le docteur Kapoor afin qu'il examine Suhani. Il est compétent, c'est un neurochirurgien reconnu. En tout cas, son opinion de spécialiste pourrait nous être précieuse. Je vais vous envoyer une infirmière. On va la laisser dormir, on y verra plus clair quand elle se réveillera. Ah, je dois partir, on m'attend. Soyez attentifs, pas de stress, d'accord? Et maintenant, il faut attendre que cette jeune fille veuille bien daigner ouvrir les yeux. Tu te permets d'insulter une personne qui est probablement ma femme. Mais je suis d'accord avec toi. Certes, il y a une probabilité que cette jeune fille soit ta femme. Comme personne dans cette maison ne connaît sa véritable identité. On ne peut pas nier le fait que Suhani a été tuée. Et les morts ne reviennent pas à la vie, que je sache. Tu ne vas pas croire à cette histoire. Tu sais bien que c'est impossible. Donc... pourquoi est-ce que tu te berces d'illusions comme ça? Pourquoi? Même moi, je suis d'accord. Rude à entendre, mais c'est vrai ce qu'il dit. Je crois que quelqu'un essaye de profiter de la situation et d'abuser de notre confiance. Oui, oui. À mon avis, cette Suhani est l'une des pions sur notre échiquier. Je pense qu'elle est venue terminer le travail laissé inachevé par Arjun et Lolita. Excusez-moi de vous interrompre. Bien que je ne sois pas certain que cette Suhani soit bien mon enfant, je suis certain d'une chose. C'est que ma fille Suhani n'est pas morte. Elle est destinée à une longue existence. Elle n'est pas destinée à mourir. On peut le lire dans son thème astral. Il existe une description très précise de tous ces événements. Et j'ai une confiance aveugle en cet homme de foi et en ses prédictions. Très bien. Dans ce cas, s'il te plaît, je voudrais te poser une question. Si le Brahman a effectivement prédit tous les incidents qui sont arrivés, est-ce qu'il a prédit que le visage de Suhani serait méconnaissable? Que son visage serait transformé? Est-ce qu'il explique ça? Est-ce qu'il a une explication à te donner à ce sujet? Dis-moi. Chubby, mon grand, tu peux me dire quelles preuves on a pour démontrer que c'est bien elle? Tu sais bien que les gens sont méchants et cruels. Je ne t'apprends rien. Ils vont nous poser des questions, nous demander des preuves de son identité, je te le garantis. Tu crois peut-être qu'ils vont accepter une étrangère comme étant Suhani parce qu'elle le dit? On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, c'est clair? Laisse parler les gens, gendarmes.
L'important est de savoir si c'est la vraie Suani ou non. Il faudrait pouvoir vérifier le déroulement des événements. Il doit bien y avoir des témoins, des gens qui ont assisté à ce qui s'est passé. Arjun ! Arjun était avec Suani pendant ce temps. On n'a qu'à lui demander ? Je ne sais pas ce que je donnerais pour être un amnésique, moi aussi. Comme ça, je pourrais l'oublier. Est-ce que tu peux réfléchir des fois avant de causer ? J'ai une idée, papa. Je me souviens des gens qui ont croisé Suani ce jour-là. Ils vont nous raconter ce qu'ils ont vu, et on reconstituera l'histoire. Rani, elle a rencontré Suani au temple quand elle essayait d'échapper à Arjun. Et ses quatre garçons, ils étaient là quand Suani est tombée de la falaise. Hunch, appelle-les, demande-leur de venir. J'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est capital. S'il vous plaît, décrivez-moi en détail à quoi vous avez assisté. C'est important que vous vous souveniez. Qu'avez-vous vu, Rani ? En effet, j'ai rencontré Suani au temple. Elle était terrorisée. On aurait dit qu'elle avait peur de quelqu'un. On aurait dit qu'elle essayait de fuir, d'échapper à quelqu'un. Quand je l'ai cherchée ensuite, je ne l'ai pas retrouvée. Elle avait disparu. Après, j'ai rencontré Ange ce jour-là. Ce soir-là, on était parti pour faire la fête. On avait fait un feu de joie, et à un moment, Suani est apparue. Elle sortait de nulle part. Un homme la pourchassait, un certain Arjun. Elle le suppliait de la laisser tranquille. Elle a mentionné un certain Shub. Et elle est tombée de la falaise.